Good morgen, allez, Yidan et les Tussauds, aujourd'hui, les Lonishmat, Abraham, Chayin, Orber, Ben Fortune, Mazal, et Yedida, Patester, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Ketut, Perek Aleph, Mishnah, Hey, Eilu, She'enan Meviot, Amapelet, Shafir, Malemaim, Maledam, Malegininim, Amapelet, Kemin, Dagim, Vechagavim, Shkatsim, Ormasim, Amapelet, Yom Arbaim, Veyotzedofen, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Mechayev, Beyotzedofen. Troisième Mishnah consécutive qui porte sur le même principe, à savoir une femme qui accouche. Lorsqu'elle accouche, alors la Torah lui impose d'apporter un korban khatat et un korban ola. Ola vechatat, shtetorim oshne beneyona. Maintenant, on avait appris dans la Mishnah Gimel qu'en général le korban ola, on le brûle entièrement sur le misbeach, et le korban khatat, il est mangé par les kohanim. Dans la Mishnah Delet, on avait appris qu'il y a des femmes, à cause de situations de doute, alors elles devront apporter certes un korban khatat, mais que ce khatat ne sera pas consommé par les kohanim, de peur qu'en réalité ce n'était pas un korban. Et notre Mishnah continue maintenant le sujet en nous disant, sache qu'il y a encore des femmes, elushenan meviot. Il y a des femmes qui n'apportent pas du tout de korban, c'est-à-dire qu'on a une femme qui va partir accoucher. Je pense qu'elle a besoin de partir à l'hôpital, comme ça on va comment expliquer pourquoi, mais en tout cas, une femme que elle a poussé et elle a fait sortir quelque chose de son rechem, et on va dire que ce qu'elle a fait sortir, ce n'est pas un enfant. C'est des morceaux de ce que vous voulez, mais c'est pas un... il n'y a aucun enfant dans ça. Donc de ce fait, elle ne devra pas porter de corban. Et on a un premier cas qui est Amapelet Shafir Male Maim, Male Dam, Male Geninim. Celle qui va faire sortir un morceau, Shafir, c'est un chauffeurette, c'est un morceau de quelque chose qui a une peau avec un corps étranger qui est dedans plein d'eau. Malemaim, Maledam qui est plein de sang, ou Malegeninim qui est plein de deux solutions dans le Matanora, soit plein de couleurs, soit plein de tolaim, des verres, je ne sais pas exactement comment c'est possible. En tout cas, je suis au courant que ça, j'ai déjà été confronté à une situation où ça existe réellement qu'une femme elle a des fois des sécrétions épaisses et bizarres qui pourraient ressembler à un corps étranger, à une sorte de verre épais, quoi. D'accord, c'est des choses qui existent. Et donc, dans ce cas-là, si elle va accoucher ces choses-là, même si ça fait déjà plus de 40 jours qu'elle était censée être enceinte, et puis finalement elle réalise que c'était ce qu'elle avait dans le ventre qui est en train de se créer, eh bien on va pas dire que c'était un bébé et un fœtus, et donc qu'elle devra, et donc qu'elle a accouché. Non, elle n'aura pas accouché, et ce qu'elle a accouché c'était juste un morceau de chair qui n'avait aucun rapport avec un bébé. En l'occurrence, elle n'aura pas d'impureté, elle n'aura pas accouché du tout cette dame-là. Idem aussi pour Amapelet Kemindagim, Vachagavim, Shkatsim Ormasim, celle qui accouche encore une sorte de quelque chose qui peut ressembler à un poisson, à une sauterelle, ou Shkatsim Ormasim, toutes sortes de vermines, de rampants. D'accord? Elle fait sortir de son corps quelque chose de bizarre. Alors on ne va pas dire que c'est un enfant mal formé. Non, il n'y a pas eu d'enfant. Et s'il n'y a pas eu d'enfant, donc elle n'a pas accouché. Si elle n'a pas accouché, elle a besoin de porter un corban. Idem encore pour Amapelet Yomarbaim, celle qui accouche le 40e jour. Vous avez déjà entendu ça sûrement, que selon la Torah, lorsqu'une femme tombe enceinte, alors pendant les premiers 40 jours, il n'y a pas d'enfant. On a commencé la... je ne sais plus comment ça se dit, la méiose, non, bref, on a commencé le mot m'échappe, c'est pas grave, on a commencé la formation du bébé, mais pour le moment, il n'y a pas encore de vie. À partir du 41e jour, alors c'est là où l'enfant commence à recevoir la neshama. Il se commence à voir un être vivant. Je pense que, selon la science, la biologie à notre époque, il n'y a rien qui se passe le 40 jours, il me semble. Peut-être qu'ils ont découvert qu'il y avait peut-être une forme d'électricité qui pouvait commencer à voir. En tout cas, selon la Torah, après le 40e jour, 41e jour, le 40e jour lui-même n'est pas, l'enfant n'est pas encore viable. De ce fait, si après 40 jours où elle a eu son... elle a probablement fécondé son enfant, et puis elle perd tout ce qu'elle avait dans le ventre. Donc il s'avère que maintenant elle n'avait pas d'enfant viable, de ce fait elle n'a pas accouché. Elle avait un début de formation d'enfant, d'embryon, mais il n'y avait pas encore de fœtus concrètement, il n'y avait pas encore d'être vivant, de ce fait elle n'a pas accouché, donc elle ne devra pas porter de corban. Et idem aussi pour Yotze Dofen, celui qui va, Yotze Dofen, on connaît maintenant celle qui accouche par césarienne. Yotze Dofen, littéralement, celle qui sort par la paroi.
En hébreu moderne, yotzedofen, c'est toute exception, ça s'appelle un yotzedofen, c'est à cause de. C'est là l'origine, quoi. Yotzedofen, au lieu de sortir comme tout le monde par la sortie, il est sorti par la paroi. D'accord? Ça, c'est déduit du pasouk qui a marqué dans le pasouk Isha kitazria veyalada zachar, c'est-à-dire la ledette, accoucher. Accoucher, c'est accoucher naturellement. Or, sortir par la paroi, ça fait qu'on n'a pas d'impureté de tout matelida. D'accord? Et je crois que même la halakha, elle est fixée comme ça, il y a quelques conséquences pour une femme qui accouche par rapport à ses lois de pureté, même si aujourd'hui, de toute façon, on ne permet plus la femme jusqu'à qu'elle ne devienne. Bon, laissez donc, si un jour on étudie Nida, on comprendra tout ça. En tout cas, selon le premier Tanakama, alors ça ne s'appelle pas un accouchement. Tandis que Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Mechayev, Beyotzebem, selon Rabbi Shimon, une femme qui accouche par césarienne, c'est un accouchement total qui va la rendre impure par Toumat Leda. Elle va recevoir son impureté. Il déduit ça d'un pasouk qui a insisté, qui a dit Vimne Keva Teled. Que le pasouk dans Tazria, Isha qui Tazria avait Alda Zahar, et après la Torah continue en disant Avim Nekeva Teled, et celle accouchera une fille. Teled, et là-bas la Torah a répété le mot Teled pour insister en te disant sache que même si elle accouche de n'importe quelle manière qu'elle accouche, dès qu'elle va faire sortir quelque chose de son ventre, eh bien ça aura un statut de naissance, et dans ce cas-là, elle sera concernée par les lois d'impureté de la Toumat Leda, elle devra porter aussi ses korbanot. Donc en fait, en deux mots, on a vu dans notre Mishnah toutes sortes de situations d'une femme qui accouche, qui n'aura aucune impureté, puisqu'elle, ça ne s'appelle pas qu'elle a accouché, ça s'appelle qu'elle a fait sortir de son corps toutes sortes de corps, mais sûrement pas un enfant viable, enfin, sûrement pas un enfant en formation, et de ce fait, elle ne sera pas concernée par les lois d'impureté de la naissance, et donc elle ne devra pas apporter de korban. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Aslachakol, tout, c'est là.